Eh ben salut les amis, salut les Maurice, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure qui s'appelle donc sur la carte Old Times Map. Donc c'est une carte qui est faite pour du petit matériel, mais pas que pour du petit matériel, qui est faite aussi pour faire une petite aventure avec des vieux mods. Donc j'ai réussi à trouver quelques vieux mods, mais c'est pas évident, donc au fur et à mesure que j'en trouverai, je les rajouterai. Donc le titre de cette série, ça s'appellera La ferme du temps passé. Où je vais voir, enfin je sais pas trop comment en fait, quand je fais la vidéo, je sais pas trop comment je l'appellerai. Mais donc on va monter dans la mobilette déjà, on va démarrer. Ouais, je sais pas trop le titre, La ferme du temps passé ou Dans l'ancien temps par exemple. Dans l'ancien temps, c'est pas mal. Allez, on va démarrer ça. Elle est pleine. Hop, vous voyez la porte qui s'ouvre quand je descends. On va monter dans. Donc j'ai trouvé ce petit Ursus. Donc on va vider. Vous voyez, j'ai pris la petite benne du Ken. Ça fait. Ah, écoutez-moi le bruit du Ursus. Ah, ça, c'est formidable. Touch! Ça, c'est du tracteur. Allez, c'est parti. Touch you! Allez, c'est parti, mon kiki. Klaxon et tout, hein. Bon, il n'y a pas de gyrophare, c'est normal, hein. Dans le temps, c'était pas obligatoire. Peut-être, ça va passer là. Ouais. Allez, on y va là, tranquille. Putain, Lex. Pourquoi qu'il veut pas décharger? Ça serait qu'il. Ah bah merde alors. Comment ça se fait qu'il veut pas décharger dans celle-là? Ah bah voilà, parce qu'il faut que je monte dans. Faut que je monte dedans, bah ça c'est une nouveauté ça. Ah, parce que j'avais pas enclenché l'ouvrier, d'accord. Ouais, de toute façon il était à ça. Donc du temps qu'il fasse le tour, il en a pour un moment avant de se remplir. Donc voilà, donc vous avez vu le Ursus avec cette benne. Donc il y a ce vieux 2, ce que j'ai trouvé aussi, bon, qui est en train de faucher. Hein. Il y a le Escher que j'ai pris aussi, qui fait un peu ancien. Enfin, vous allez me dire, c'est le Hurliman reskiné, mais bon, ça fait un petit peu ancien, quoi. Bon, j'ai mis les Forges Robert devant, j'ai dit, pour l'instant, j'ai pas trouvé de petite botteuse donc sur le 15. Donc ici, nous sommes à la ferme où il y a les poules et les moutons. Donc, ouais, bah, vous voyez, j'ai gardé le cultivateur, j'ai gardé le semoir, c'est pas facile de trouver un semoir. C'est pareil pour celui-là, j'ai les pendants en grès aussi, j'ai cherché mais j'en ai pas trop trouvé. Qu'est-ce que je vous ai oublié? Ah oui, il y a aussi le Sam, hein, Sam à deux roues motrices, hein, alors ça fait, c'est typique de vieux tracteur. Ah oh, bon Dieu, tant pis. J'ai cette vieille ensileuse. Hein? J'ai ce Ford là, on est allé. Alors là, nous sommes aux vaches. Donc les vaches, on dirait que c'est un petit peu, un petit peu l'état agricole. Enfin, où il y a le gros matériel, on va dire. Là, on est aux vaches. Donc j'ai trouvé cette John Deere qui fait un petit peu style ancien, mais qui est pas vraiment ancienne. J'ai trouvé ce Massey, voilà, le 2680 double roue. J'ai le Schulter. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il a déjà travaillé. Donc j'ai le vieux Ford aussi, vous voyez, 190 chevaux je crois, avec cette vieille charrue. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah j'ai celui-là. En fait celui-là je l'ai téléchargé. Là il roule. Bon, faut pas être pressé. Et, parce que je pensais qu'on pouvait descendre la barre de coupe. Pour faucher, mais eh non, on peut pas, c'est con, hein. Dommage. Je l'ai là. Je vais aller vous faire voir ce que j'ai trouvé aussi dans les modes. C'est pas tellement évident. Donc, en tracteur, j'ai pris le Fendt 310, hein, ça fait vieux tracteur. J'ai ce Ford, mais ça faisait vraiment un trop. Il faisait trop, il faisait un bruit trop, comment vous dire, trop récent. J'ai le téléchargé aussi sur le Hurliman. J'ai Zetor en fait. J'ai téléchargé Zetor parce que je croyais que. Il y avait la fourche avec, et je sais pas, j'arrive pas à trouver la fourche. Donc le Massey, vous l'avez vu.
J'ai un autre Massey 35, mais il a un bruit un peu trop récent, je trouve. Et donc le Ursus, vous l'avez vu. Donc j'ai trouvé cette vieille fourche aussi pour mettre derrière les tracteurs. Je dis ça faisait pas mal ancien. Donc ça c'est moissonneuse avec l'ancien. Ah, re les amis, désolé pour cette coupure. Là j'ai eu un retour Windows un petit peu à la con. Donc on en était au bar de coum, je crois. Hein. Donc voilà les remorques. Donc les remorques, j'en ai pas trouvé beaucoup. Charrue, ça c'est un épandeur à chaux, mais j'ai pas trouvé. Ça marche pour la chose sur cette carte. Donc ça c'est un épandeur à fumier, donc une faneuse. Voilà à peu près tout ce que j'ai trouvé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Eh oui, comme j'ai eu un retour Windows, eh oui, effectivement, faut que je le remette en route. Putain, ça m'énerve, je sais pas d'où il est venu ce retour Windows à la con. Enfin bref. Puis en plus, alors, quand j'ai un retour Windows, ça me frappe, donc il s'arrête, machin, ça me frappe à cesser de fonctionner. Et après, si je remets frappe en route, faut que je rééteigne l'ordinateur pour le rallumer, parce que après je vois plus frappe. Enfin bref, c'est tout un bordel. Enfin. Donc là voilà, donc ah oui voilà donc le Hurlyman avec la fameuse faneuse que je vous parlais. Donc lui il en est combien? Putain mais il a. Oh mais petite là. Petite là. Donc on va finir de moissonner. Du temps, on va. On va finir de faucher un petit peu. Hein. Donc c'est con, l'herbe qu'il y a sur le côté, on peut pas la faucher, vous voyez. Ouais. Donc pour ceux qui il y en a qui m'avaient dit ouais t'avais oublié de baisser la faucheuse dans la ferme de l'Est. Non non j'avais pas baissé, j'avais pas oublié de baisser, elle était bien baissée, mais c'est que elle s'adapte pas au terrain, c'est tout. Le terrain était un peu. Il y avait des bosses sur le terrain, c'est tout. Hein. C'est rien. Pas plus compliqué que ça, désolé. Allez hop, on y va. L'autre il en est à combien de 70%? Ah, mais hop, ça se trouve, il a peut-être fini. Non, pas encore. Ouais, on va faucher. Faire un peu de blé. Ah, un peu de blé, un peu de moisson. Faire de la paille. Par contre, ce que je vais faire, il faut que je vais décrocher ça. Et le échier, je vais le mettre avec la Duquesne. Ouais. C'est où la sortie? Ouais, c'est par là-bas. Ouais, je vais mettre. Par contre, il y a un truc de con sur cette carte, c'est qu'à chaque fois que vous passez sur ces ronds de merde là. Ils s'affichent, putain, à chaque fois que vous revenez, ils y sont. Ouais, je vais prendre la Duquesne. Ouais, il y a un bug avec les pièces jaunes. Alors, et donc, comme vous voyez. Ah, si, bah, faut que je ramène l'autre avec le fort. Je vais lui faire labourer ça. Ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il. Ah, il est bloqué dans un arbre. Nom de Dieu, nom de Dieu. Attendez, je vais accrocher ça. Voilà. Hop, un V. Voilà, la béquille qui se relève, nickel. Je vous jure, les amis, c'est pas évident. Pourquoi je sors de là? Pas pourquoi je suis sorti. Oui, prendre l'air, peut-être. Eh oui, on rentre par derrière. Eh? Putain, puis on prend pas tout aussi. Ouais, c'est parti. Donc, on va sauter dans le Ford. On va le ramener. Il est où le Ford? Allez, comme ça, vous verrez un petit peu où elle est, la ferme. Ouais, je vous ai pas montré la carte. Elle ressemble à ça. Elle est petite. Hein. Mais pour jouer à ça, ça fera bien. Donc, on a un silo, ça. Un silo ici. Je crois pas qu'il y ait de biogaz. Non, non, il n'y a pas de biogaz. Hein. Puis, il y a du bois, mais enfin, j'ai pas. Trouver la chaufferie, mais bon, il y a pour il y a pas le train, il me semble pas.
Donc vous voulez voir l'intérieur du fort, bon bah il est pas terrible. Hein. Mais bon, c'est un petit fort comme ça fait un peu ancien, ça fait bien. Vous voyez, il y a pas mal d'arbres. Ici, c'est là où on vend la laine. Ah, regarde donc, tu vas. On a 9 champs, il me semble. Ouais, 9. 9 champs, ils sont pratiquement. Ouais, ils sont tous plantés, il me semble. Ouais, ils sont tous plantés. Donc là, vous voyez, on arrive à la. C'est où ça? Merde, putain, je regarde pas où je vais, moi, je rentre. Oh, je me demande bien ce que c'est, ce bâtiment. Faudrait que je le voie. Faut aller voir. Donc l'autre, ah oui, la moissonneuse a fini. Je vais aller la foutre ailleurs. Comme ça, ce que je vais faire, je vais regarder combien il est le colza. Ça vaut le coup pas de le vendre. Bon, c'est vrai que ça va pas ramener une grosse fortune. Merde, pourquoi je vais tout vendre, moi? Oh là là, oh, vous avez vu un peu ça. Allez. Ouais, par contre, on peut pas tourner ce sens. Mais bon, tant pis, ça fait comme ça. Non, eh oui, dans l'ancien temps, il revenait en arrière. Il mettait un coup de marche arrière et on partait. Ah, hop. Tant pis, ça fera comme ça. Celui qui est pas content, ça fera pareil. Ah, ce que ça donne. Oh, c'est pas vilain, quoi. Ah, mais bien sûr, il va être emmerdé par les armes là. Les deux cons, là. On parie? Oh, mais si sont cons, mais sérieux, mais c'est pas possible, mais tu... Là, je vais le foutre. Je sais que c'est pas très réaliste, mais tant pis. Ça fera comme ça. Ouais, ça vraiment. Ouais, donc elle a fini, elle. Donc je vais aller vider ça. Putain, si, ça va peut-être bah, tout prendre dans le. Ouais, vraiment mobilette. Hein. Espérons que ça puisse tout prendre dans le. Dans la peine. T'as 54%, ouais, je suis pas tout à fait plein là. Du temps qui vide, je vais regarder un peu les prix. Colza 1063 au bureau d'expédition. Ouh, 1174. Société de logistique. Et la société de logistique, elle est. Bon, bah alors, on va faire un tour à la société de logistique, puis après, j'arrêterai la vidéo. Ah merde! Putain, ça a pas tout pris, il fait chier. Ouais, bah tant pis. Je vais vendre ça, puis le reste, j'y viderai. Alors, moi, je suis où, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti, mon Maurice. Société logistique, elle est là-bas, donc faut que je remonte, ouais. Faut que je prenne là. Ici. Et après. Ah ouais, après je tourne, mais je vais tout droit. Moi, c'est ici que je tourne à gauche.
Il y a que des mecs qui se promènent. Ah non, il y a une gonzesse quand même. Ah, il y a une gonzesse qui se promène. Salut chérie. Les poules. Ouais, là on a du blé. Là on a du... patate ou betterave. L'entrée doit être derrière, je pense. Ah, c'est là-bas. Ouais. Et là, on va mettre un peu de sous dans la cagnotte. Par contre, ça fait pas joli pour vider la benne. Hein. Pas terrible. Là. J'arrive à en trouver une autre. Ouais, j'en ai des autres. Hein. Sur la ferme de l'Est, j'en ai des vieilles remorques. On peut faire pareil. Allez, je vais finir de vider la moissonneuse. Ouais, l'autre il a fini le fort. Non, mais. Hein. Et faut arrêter de branler, les gars, là. J'aurais pu passer par chemin là, ça fait le tour. Passer par ce chemin là, ça fait le tour. Là, oula, 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 pas dans le fossé. Ah merde, c'est pas le chemin. Oh putain, j'ai tourné trop tôt. Tant pis. Ah, c'est betterave. J'ai tout fertilisé, tout, parce qu'il n'y a rien de fertilisé. On est ici. Ici, voilà. Ah, vous voyez, les moutons sont là. J'en ai acheté 5, je crois. J'aurai une dizaine ou une vingtaine de vaches, pour pas plus. Ah, vous voyez, on se retrouve ici. Il n'y a plus qu'à aller tout droit. Oh là là, pas tout droit, pas dans le fossé, bien sûr. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils se salissent, mais bon, c'est très difficile. Mais... de trouver des bons modes quand même, des vues des anciens modes, c'est assez difficile. Alors pourquoi l'autre homme, puisqu'il est planté, fait chier. Voilà, c'est quoi ce travail de nègre, ce travail de sagouin là. Oh putain. Oh là, ouais, bah, je crois que je vais foutre tout de suite un coup de herse, hein, un coup de déchaumeur. Me fait un travail pourri, mais voilà. Bah sur ce, mes amis, je vous dis bah aimez, partagez, puis abonnez-vous. Salut, c'était ClausDX69. Salut Maurice, portez-vous bien.